Jésus a dit quelque chose de grave. Je dis, mais Seigneur, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça, Jésus, quand même. Il faut avoir la foi. Jésus dit à ses disciples, écoutez bien, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ah, Satan, pour détruire une église, n'a pas besoin de satanistes. Il a besoin de gens qui sont des bons croyants, qui ont de l'amour pour Dieu, mais qui ont la même âme. Partage, cohabite l'amour pour Dieu et l'amour pour quelque chose qu'il n'aurait pas dû aimer. C'est tout. Il n'a pas besoin de sorciers, de satanistes. Ça, c'est à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui détruit les églises. C'est de l'intérieur qui détruit. Comment? Lui-même, il a eu Judas. Paul a eu des masses. L'amour croit que par la prière, par le jeûne, l'intercession, on peut empêcher Satan de trouver une faille. Jésus ne m'a dit pas pour ça. Quand Satan n'arrive pas à t'atteindre, il va passer par d'autres personnes qui vont faire disjoncter, qui vont oublier tout ce que j'ai fait pour eux, qui vont se mettre à salir mon nom, à salir la crédibilité de quelqu'un que j'ai oint et à faire tomber des âmes qui étaient fragiles. Jésus avait Judas. Paul avait des masses. Vous connaissez des masses? Paul avait une dream team. Il y avait Tite, il y avait Timothée, il y avait Luc, il y avait des masses. C'était des apôtres comme lui qui faisaient l'œuvre apostolique. Et tu peux être sûr d'une chose, si c'était les compagnons d'œuvre de Paul, il est certain que l'onction qui était sur Paul était sur eux. Demas n'était pas n'importe qui, c'était le genre de gars que Paul laisse dans un endroit et il continue la route. Et le gars, il impose les mains, il recommande tout le monde à la grâce de Dieu. Quand il conduit, on dit waouh, le gars il prêche. Purée, dis donc, on sent un fils de l'apôtre Paul. Quand Paul est en prison et que l'heure de son départ approche, Paul a pris des coups de la vie. Il a vu des vertes et des pas mûres. Paul, dans sa dernière lettre, qui est considérée comme sa dernière épître, avant de rejoindre le Seigneur, dans 2 Timothée 4. Timothée, je suis au regret de t'informer que Demas m'a abandonné par amour pour le Saint-Esprit. Juste au cas où tu n'aurais pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que Demas a rétrogradé. Il est reparti dans le monde. Timothée reçoit la lettre. Imagine l'écho de cette annonce. Dans les églises où Demas est parti, et même dans les autres, imagine la fanfare. Vous savez c'est quoi la nouvelle? Quelle nouvelle? Demas a rétrogradé. Quel Demas? Tu parles du nouveau converti qui vient d'accepter Jésus là? Non, non, non. Demas, le compagnon d'œuvre de Paul. Non, non, n'est pas Demas toi aussi. Qui? Le gars là qui nous imposait les mains, qui prenait le micro, quand il chantait. Oh, tu parles de lui? Ouais. Non, non, pas Demas, non, arrêtez. Et puis là maintenant arrivent des nouveaux convertis. Qui a rétrogradé encore? Un des apôtres aux côtés de Paul, Demas. Quel Demas? Le gars qui nous encourageait. Non, excusez-moi. Vous savez, moi j'ai quitté le monde. J'ai abandonné les bijoux, j'ai abandonné les hommes, j'ai abandonné les femmes. Moi, j'ai laissé ça, tout ça là, pour suivre votre Jésus là. Bon, maintenant, vous venez me dire que celui qui nous a formés, celui qui nous a enseignés, celui qui nous a instruits, vous venez me dire que lui, il est reparti dans le monde. Moi, je viens d'arriver, j'ai tout laissé et vous me dites que lui, il repart. Si c'est comme ça, moi aussi, je repars. Non, non, c'est lui qui m'a formé. On m'a dit, il va te former, il va t'instruire, il va t'enseigner, il va te nourrir, il va prendre soin de toi, il va t'encadrer, il va t'accompagner. Maintenant que j'apprends qu'il a rétrogradé, oh, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Vos Jésus là, c'est compliqué. Votre affaire de Jésus là, c'est compliqué. Moi aussi, je jette l'éponge, laissez tomber, on repart. C'est tombé, c'est pas la peine. Imagine le nombre de personnes qui peuvent être affectées quand ils entendent qu'une colonne est repartie dans le monde. Maintenant, écoute les détracteurs, les calomniateurs de Paul, qui jusqu'à aujourd'hui n'avaient rien à se mettre sous la dent pour salir la crédibilité de Paul. Ah, on vous avait dit, Dieu juge toujours. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. On vous avait dit que c'était un imposteur, le gars là, vous ne vouliez pas croire. Maintenant, vous avez... Mais c'est quoi l'info? Son gars, bras droit à lui, Demas, a rétrogradé. Il est reparti dans le monde. Il y a des gens à l'extérieur qui se réjouissent, mais il y a toujours des gens à l'intérieur. Ceux qui luttaient, pour, ceux qui attendaient de pouvoir remplacer le gars qui disait, ah, excuse-nous Paul, la question c'est, est-ce que tu étais au courant? Parce que, excuse-nous, tu l'as laissé nous former, tu l'as laissé nous conduire, tu l'as laissé nous enseigner. Est-ce que tu étais au courant des failles, des dysfonctionnements de Demas? Paul baisse la tête. Il dit non, je ne savais pas. Non, excuse-nous Paul. Cette réponse quand même a l'air assez légère. Parce que tu vois, tu as trois vocations. Tu es apôtre, on peut comprendre que tu n'es pas vu. Tu es docteur, on peut comprendre que tu n'es pas vu. Mais il est dit, Paul était prophète. Comment un prophète, quelqu'un qui quand il ferme les yeux, il voit les oracles du Tout-Puissant. Quand il prie, il entend la voix
de l'Éternel qui avertit des malheurs et des catastrophes et des choses qui arrivent sur la terre. Comment tu peux nous confier à quelqu'un qui finalement n'était pas vraiment converti? Paul baisse la tête et il dit, je n'étais pas au courant. Oui, mais tu es un prophète, un prophète, il voit. Comment tu vois rien? C'est là que Paul va dire à Timothée, tu sais Timothée, une leçon que j'ai apprise de la vie, c'est que les péchés de certains hommes sont évidents, même avant qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Jésus a eu Judas. Il y a une œuvre de brisement que tu expérimentes à un certain niveau dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, qui te brise extrêmement et qui te rend humble. Alors les leaders à l'intérieur qui ne le portaient pas dans son cœur, tu dois assumer la responsabilité d'avoir laissé un rétrograde nous diriger. Franchement, on ne peut plus te suivre. Pour nous, tu n'es plus crédible. Et les gens à l'extérieur disent, ah, on vous avait dit, Dieu a jugé. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Demas? Le livre de Proverbes 26, 11, que le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi. Tu ne vas pas rétrograder dans un domaine où Satan ne te tenait pas hier. Si tu n'as jamais pris l'alcool, c'est pas dans l'alcool que Satan va te tendre un piège. Si ton point faible hier, c'était les femmes, Satan va t'avoir par les femmes. Il va te chercher, essayer de te ramener en arrière par les femmes. Le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi. Demas, il a abandonné par amour pour le sel présent. Ça veut dire que Demas avait un côté très attaché au monde, au matérialisme, au bling bling. Il aimait les choses de ce monde. Avant de se convertir, il est probable que Demas était le style casquette à l'envers, grosse chaînette, grosse montre en or. Et peut-être il mettait des baguilles. Et quand il arrivait dans la place, il disait, yo, mais yo, yo, ça c'était Demas. Wow, la Maserati. Wow, la Ferrari. Moi, mon gars, tape là. Poum, yo, Demas. This is my man, ça c'est mon gars, ça. Et puis un jour, Demas se convertit. Je me livre totalement. Il sortait de là-bas pour suivre les pôles. Il a dû renoncer. Mais physiquement, parce que son cœur était quand même attaché toujours. Et donc, quand Demas descendait du pupitre, yo, c'est à qui ça? Ça, c'est à qui? C'est quelle voiture? C'est quel frère ça? Et puis on dit, c'est frère Bernard. Il dit, frère Bernard, oulala, le Seigneur me dit de parler sur toi, frère Bernard. Tu es un gars bien, vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te dit, obéis à sa voix. Ainsi parle le Seigneur. Fais une offrande de foi vers mon serviteur, Demas, afin que la bénédiction du Seigneur vienne sur toi et t'impacte. Il aimait Dieu, mais quelque part, il y avait quelque chose dans le cœur qui n'avait pas emmené à Dieu pour dire, consume ça en moi. Et un jour, Satan, on a eu assez. C'est le moment favorable. On met la main sur Paul. Mais comment on ne peut pas le toucher? Faisons tomber quelqu'un qui est à côté de lui. Si quelqu'un qui est à côté de lui tombe, c'est la crédibilité, le discernement de Paul qui sera exposé à la face du monde. Qui avons-nous autour de lui? Marc? Non. Luc? Trop consacré. Epaphras? Trop passionné. Tite? Non. Trop passionné de Dieu, non. Ah! Demas. Il y a quelque chose dans son cœur là. On a... Et c'est là que soudainement, Satan entre. Comme il est écrit à propos de Judas, Satan entra en Judas. Quand Satan entre, c'est trop tard. Tu vas poser des actes et dire des choses que toi-même, tu n'aurais jamais cru que tu pouvais poser ou dire. Parce que j'ai cherché à comprendre comment on peut avoir de l'amour pour Dieu, être bien, être engagé, et puis poser un acte. Ça vient d'où? À l'époque, j'aurais dit non. Il suffit de bien former les gens. Penses-tu que tu peux mieux former que Paul? Alors, on enseigne ces choses pas pour éviter que ça n'arrive. On enseigne ces choses pour inviter le peuple à observer, à protéger son cœur. Parce que, attends, ça arrivera même à ICC. Je le sais, c'est dans la parole. Mais ma prière, c'est que quand ça arrivera, qu'il n'y ait pas d'âme fragile qui soit emportée dans ce genre de folie.